aujourd'hui, là, c'était une vraie journée de campagne. Et je peux dire, elle a commencé tôt ce matin. On a rencontré des amis sur le marché de Montségur, puis on a continué Montségur. On a été au Puy, et après, on a été à Loupiac, qui a rencontré aussi un agriculteur. Donc, voilà, ça fait une belle journée qui se termine par cette réunion ce soir. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Comme je vous l'ai dit, en fin de semaine, après, avec la chaleur, c'est pas évident. Donc, super qu'il y ait autant de monde. Et dans l'esprit de. Alors, je me suis permis aujourd'hui de prendre le micro d'entrée, parce que quand même, j'ai administré cette commune pendant 12 ans. Cette salle, je la connais bien. On y a fait des très beaux événements. On a des fêtes, oui, aussi. On a fait des belles fêtes. Alors, on a beaucoup parlé de politique. On a essayé de faire vivre la citoyenneté dans cette salle. Voilà, et donc, c'est plein de bons moments. Et je crois que certains ou certaines qui ont participé ont des beaux souvenirs, avec même des personnes qui sont malheureusement plus là aujourd'hui avec nous, mais qui sont toujours dans nos têtes. Voilà. Donc, on souhaitait aussi aujourd'hui commencer par des paroles de lutte. Donc, on a demandé à deux syndicalistes qui mènent des luttes dans leur... T'es pas syndicaliste aussi ? Voilà. En tout cas, acteurs de mouvements dans leur établissement. Donc, dans l'éducation et dans la santé. Donc, on va commencer par l'éducation, si tu veux bien. Donc, Cyril Verjus, qui est professeur au collège de Cadillac. Ouais. Et on s'est rencontré sur le marché, je me dis ça c'est intéressant. On a été témoigne de ce qui se passe en ce moment dans le collège, dans l'éducation nationale en général, dans le collège de proximité en particulier. Et comme il a accepté, je te place le micro. Bonsoir. Alors moi je vais témoigner sur ce qui se passe au collège de Cadillac, mais je pense qu'il y a plein d'autres exemples pour avoir échangé avec des collègues. Dans le domaine de l'enseignement, malheureusement, on fait les mêmes constats. Donc en effet, Lionel m'a demandé de venir parce qu'il a vu dans la presse que le collège de Cadillac avait fait une journée collège mort. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des suppressions de classes multiples prévues pour la rentrée prochaine. La conséquence, c'est que des élèves de 6e, donc, qui arrivent de diverses communes de la circonscription, vont se retrouver, c'est déjà le cas cette année, on l'a vécu, dans des classes à 30, 31. Voilà. Donc, après une période qui a été compliquée, voilà, où il y a eu des enfants qui sont restés à la maison pour cause de Covid. Donc les enseignements ont déjà été plus compliqués qu'en temps normal et on nous retire des moyens. Alors ça se passe chez nous et donc on s'est mobilisé avec le soutien des parents d'élèves d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je les remercie aussi parce que c'est vrai que le fait qu'on ait pu être reçu à la DESDEN il y a quelques mois, c'est parce qu'aussi les parents ont joué le jeu avec nous, on a fait une journée collège mort, ils ont gardé les enfants à la maison. Et du coup, on a pu avoir une audience avec la directrice académique pour essayer de négocier. Parce qu'en fait, il faut tout le temps négocier. J'en discutais avec la collègue là, qui va s'exprimer après moi. Et en fait, pour obtenir quelques miettes, il faut remuer des montagnes. Alors c'est usant, c'est chronophage, mais je pense que c'est indispensable, hein, parce que ce soit la qualité de l'enseignement, la qualité de la santé, et plus généralement, je dirais, la qualité des services publics. Ça me semble indispensable de se battre, parce qu'on se rend compte, là, ces 5 dernières années, que le service public a été mis à mal dans tous les secteurs. Voilà, donc on continue à nous battre, on n'a pas de réponse pour le moment, mais pas plus tard qu'hier soir, il y a eu un CA où on a remis au bout du jour un petit peu, on s'est rappelé auprès de la directrice académique pour lui dire qu'on est là, qu'on ne compte pas lâcher l'affaire, qu'on attend des réponses et surtout des ouvertures de classe. Voilà, donc c'est la preuve que dans tous les secteurs, il faut se battre avec ses moyens et il ne faut rien lâcher. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais donner la parole tout de suite à la collègue. Mais en vous écoutant, je me dis que ce gouvernement et la France entière, nous tous, on a vraiment de la chance d'avoir encore des gens comme vous qui croient dans leur métier, qui sont des passionnés et qui ont envie de se battre. Parce que, comme vous le dites, c'est pas facile, c'est chronophage. On remue des montagnes et on récolte des miettes. Et voilà, et je trouve que c'est une très belle introduction parce que ça montre la force qu'on a tous ici, là, puisqu'on est, on est dans ce cas-là. On va se battre pour installer un régime de cohabitation et tordre le bras à Macron pour l'obliger à appliquer un vrai programme de société, en fait. Hein. De société, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du lien, ça veut dire être tous ensemble. Vous avez parlé d'éducation, c'est une casse abominable, mais pas que, malheureusement, c'est dans tous les secteurs. Ce midi, on a parlé, on a déjeuné avec du personnel soignant de la maison, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, le FAM, voilà, le FAM de Montségur. Enfin bon, on sait tous que le système de soins, il est totalement à bout de souffle. On connaît la situation des hôpitaux qui est dramatique avec Belgrin, etc. Et donc voilà, c'est madame qui va en parler. Pardon, je laisse la parole. Juste une minute. La CGT, centre hospitalier, peut-être.